tous, je suis avec Marie Vareil, qui est l'auteur de la série Elia la passeuse d'âme, qui est publiée chez Pocket Jeunesse. Donc, je vais vous montrer la couve. Si elle se retourne, voilà. Et du coup, Marie va répondre à quelques questions sur Elia la passeuse d'âme. Donc moi, c'est une série que j'ai vraiment adorée. J'ai lu le deuxième tome en janvier et franchement, je l'ai dévoré en une fois. C'est vraiment une série que j'adore, elle est vraiment géniale. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez un peu nous présenter l'histoire. Alors Elia, donc le premier tome, du coup, commence dans une société, une dictature très stricte, où Elia fait partie de la catégorie la plus favorisée de la société. Donc elle bénéficie finalement d'un système très dur qui est injuste. Mais dans ce système, son rôle, c'est de supprimer, d'euthanasier en fait tous les opposants au régime, tous les gens qui sont devenus inutiles à la communauté. Jusqu'au jour où, au lieu de tuer quelqu'un, elle lui sauve la vie. Au lieu d'exécuter quelqu'un, elle sauve la vie à un jeune homme qui lui demande de lui sauver la vie. Et parce qu'elle lui a sauvé la vie, parce qu'elle a désobéi aux ordres, elle va être obligée de s'enfuir. Elle va perdre son rang de favorisé. Et voilà, elle va être obligée de partir très loin pour sauver sa propre vie à elle. Du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré pour... comment vous avez créé l'univers et l'intrigue autour de l'histoire ? Alors, l'univers, il est assez proche des dystopies classiques, type, je sais pas, Hunger Games ou Divergente. C'était vraiment une période où je lisais beaucoup de dystopies et où j'étais tout le temps dans ce type d'univers. Et ensuite, c'est vraiment le personnage d'Elia qui m'a donné envie de commencer une histoire. Et j'ai rencontré une personne, en fait, dans le métro, dans le RER, pour même. Je rentrais chez moi tard le soir à la station Châtelet-Léal, qui est elle toute seule et un univers dystopique parce que c'est tout gris, il y a du béton, on est sous terre, on voit pas de lumière. Et bon, en plus, tard le soir, c'est pas particulièrement sympa comme ambiance. Et j'ai croisé une petite jeune fille rousse qui avait sa capuche rabattue sur la tête, qui marchait très vite, les mains dans les poches. Et souvent quand je croise les gens dans les transports, je m'amuse à imaginer un peu leur vie. Et cette fille, je me suis dit, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle se cache, on dirait qu'elle essaye de cacher le fait qu'elle est rousse. Pourquoi ? Et puis pourquoi elle a l'air de partir comme ça, de s'enfuir ? Et c'est parti de là, j'ai commencé à imaginer la vie de cette fille. J'ai imaginé qu'elle était dans une dictature très stricte, dans laquelle elle avait fait une grosse bêtise, dans laquelle elle n'avait pas le droit d'être rousse parce que tout ce qui est un peu différent n'est pas accepté par la société. Et c'est de là que c'est parti. Et puis en fait, après, ce personnage m'a plus quitté, quoi. Parce que parfois, ça me prend un quart d'heure et puis je pense à autre chose. Et là, elle revenait sans cesse. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire. Parce que sinon, je m'en débarrasserai pas. Du coup, le tome 2 vient de sortir en janvier. Et du coup, je voulais savoir si là, vous étiez en train de travailler sur le tome 3 ou si vous aviez d'autres projets d'écriture. Je suis en plein dans le tome 3. Donc voilà, pour pas qu'il y ait trop d'attentes non plus, parce qu'il y en a eu un petit peu entre le premier et le deuxième. Donc là, je suis en plein dans le tome 3. Après, le tome 3, c'est terminé. Donc il y aura la fin normalement, j'espère, dans pas trop trop longtemps. Quand vous écrivez, est-ce qu'il y a des auteurs et des livres qui vous influencent, vous inspirent en particulier ? Toujours, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai écrit Elia parce que j'étais dans une période dystopie. Peut-être que si j'avais été dans une période romance historique, il y aurait eu un personnage totalement différent qui serait apparu. Donc tout ce que je lis peut m'influencer, tout ce que j'aime, les univers, les genres littéraires... parce que, en plus, à la base, je suis une très grande lectrice. J'adore lire depuis que je suis toute petite. Je suis vraiment venue à l'écriture parce que j'aimais lire des livres. Et du coup, je pense que ça nourrit forcément. Puis on a un autre regard aussi quand on écrit, parce que quand on lit et qu'à côté on écrit, on se dit pourquoi ça fonctionne si bien, pourquoi ça, au contraire, j'y crois pas, pourquoi ça, je trouve ça trop long et ça, j'arrive pas à le poser. Du coup, il y a plein de choses qui m'inspirent. Donc pour Elia, effectivement, c'est vraiment toutes les dystopies qu'il y a eu il y a quelques années. J'avais adoré Delirium, par exemple, de Lauren Oliver, qui est une dystopie géniale où les trois tomes sont géniaux. Évidemment, Hunger Games, Divergente.
tous ces univers, et puis le rôle des ados aussi dans ces univers, le fait que ce soit souvent des personnages féminins qui sont des personnages forts, et puis qui soient engagés, qu'il y ait souvent un message politique, une volonté de s'impliquer. Tout ça, ça me plaisait bien, et c'est tous ces univers-là qui ont inspiré Elia. Et dernière question, je sais que c'est une question un peu compliquée. Est-ce que vous avez un livre préféré? Vous pouvez en dire plusieurs, il n'y a pas de problème. Et nous dire pourquoi il vous plaît autant. Effectivement, c'est toujours une question piège. Moi, alors mon livre préféré, il change souvent. Parce que il y a plein d'auteurs que j'adore. Il y a eu plein de périodes, en plus en grandissant, où j'avais un livre préféré. Et puis après, j'en lisais un autre, c'était mon nouveau livre préféré. Après là, alors je ne vais pas du tout être originale, mais dans l'univers de la littérature jeunesse, j'ai commencé à lire de la littérature jeunesse à l'âge adulte parce que j'ai lu Harry Potter. Et alors effectivement, c'est pas du tout original comme exemple, mais c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre Harry Potter. Je pense que ça a totalement révolutionné d'ailleurs la littérature jeunesse. Moi quand j'étais jeune, il y a longtemps, il n'y avait pas du tout autant d'offres en littérature jeunesse. Je lisais finalement les mêmes livres que mes parents lisaient quand eux-mêmes étaient jeunes. Le Club des Cinq, la Bibliothèque Verte, les Alice, les Fantomettes, les choses comme ça. Et quand Harry Potter est sorti en France, j'avais une quinzaine d'années. Je pense que j'étais un tout petit peu trop vieille parce que j'avais lu le premier. J'avais dit non, mais c'est des histoires de bébés, ça m'intéresse pas. J'avais filé à mon petit frère. Et du coup, je l'ai lu. J'avais, je pense, 24 ans ou 25 ans. Et ça m'a complètement transportée. Et après ça, ça m'a donné envie de lire d'autres ouvrages de littérature jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, après Harry Potter, enfin, J.K. Rowling avait entraîné dans sa suite plein d'écrivains. Et que maintenant, aujourd'hui, il y a une offre pléthorique de romans young adultes. En plus, pour une tranche d'âge, tout ce qui est les adolescents, qui étaient très peu représentés, je pense, en littérature jeunesse, parce qu'on passait directement jusqu'à 10-12 ans, on lisait les livres pour enfants, et puis ensuite, on passait directement à la littérature adulte. Et qu'elle a changé ça. Et ce que je trouve extraordinaire dans Harry Potter, c'est qu'à la base, je ne suis pas une grande lectrice de fantastique. J'ai jamais réussi à passer la vache sans du Seigneur des Anneaux. Je m'excuse pour les fans, mais vraiment. Et notamment parce que je trouve que c'est laborieux, en fait, la façon dans beaucoup de livres fantastiques, n'étant pas une grande fan des descriptions d'univers, etc., je trouve toujours que la mise en place est laborieuse. Et ce que je trouve génial dans Harry Potter, c'est que J.K. Rowling, elle arrive à nous faire apprendre son univers à tel point que quand on est au milieu de la série, finalement, il y a deux mots sur trois qui n'existent pas, qu'elle a inventé, mais on les lit, on se pose même pas la question parce qu'elle nous a emmenés tellement progressivement. Elle nous a montré tellement intelligemment son univers qu'on n'a pas du tout senti la difficulté de lire des descriptions ou d'apprendre un vocabulaire où il n'y a pas d'arbre généalogique ou de cartes ou de trucs comme on peut avoir parfois dans les bouquins de fantasy. Et ça, je trouve ça génial. Je ne sais même pas comment elle fait d'ailleurs, honnêtement, parce que c'est tellement bien fait qu'on ne le voit pas du tout, on ne le sent pas du tout passer. Mais c'est en ça que je trouve ça très impressionnant comme roman. Merci beaucoup d'être passé. C'était vraiment super gentil de passer sur notre stand et de répondre à quelques questions. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. C'était très agréable.